Bienvenue chez MG Performance. Laissez-moi vous présenter les John Epag Spider 2009 qui nous restent. Je vais vous faire écouter les bruits, les comparatifs pour les deux bruits. Là, c'est original. Ça nous est demandé souvent là, par téléphone de faire écouter les bruits. Là. Je vais faire le tour avec vous là, pour les Spider 2009. C'est quoi les caractéristiques? Vous avez une grosse roue 21 pouces, un mag à l'avant. Vous avez plusieurs pièces chromées que normalement, là, dans les custom bikes ou Harley Davidson, vous payez très très cher pour ça. Ça vient avec, c'est inclus. On voit les pédales avancées là, ici. Les caractéristiques là, pour le John Epag, vous avez 42 degrés dans le châssis. C'est ça qui donne la caractéristique comme quoi c'est un chopper. Pour qu'est-ce qui est du moteur, c'est un moteur 4 temps 300 cc qui est à carburateur. Vous avez plusieurs choses aussi là, qui sont en accessoire. Là, vous voyez le siège ici qui vient avec. La moto standard, là, c'est pas plus cher. Si jamais vous voulez avoir un siège qui est, quand vous êtes un petit peu plus petit, là, ça vous avance complètement vers les pédales vu que le siège est rembourré. Après ça, vous pouvez mettre un siège qui se trouve être au gel. Et il y a un recouvrement là, qui est customisé. Là. Ça vient de John Epag, mais c'est un accessoire. C'est au gel. Après ça, si vous voulez faire de la randonnée là, à deux personnes, il va avoir le siège double. Puis ça vient avec les pédales et le dossier. Vous avez une switch d'ignition. C'est comme inspiré là, des Harley Davidson. Vous pouvez le barrer avec la clé. Puis on se fait demander souvent s'il y a une suspension sur ces véhicules. C'est pareil comme les Softail, encore de Harley Davidson. Il y a deux chocs en dessous ici. Fait que vous avez une suspension. Fait que si tout cela vous intéresse, appelez-nous au 450-778-2453 ou visitez-nous mgperformance.net.